αφορμή το έκτακτο δελτίο οικονομικής θιέλης, η δημοκρατία δίνει τη θέση της στη χρεοκρατία. Si ceux qui ont provoqué la crise ne sont pas disposés à la payer, pourquoi nous, nous devrions la payer? Dans le passé, des dizaines de pays ont refusé de payer les dettes dont les citoyens n'étaient pas responsables. Le droit international a mis des flèches dans leur carquois. L'une d'elles est la notion de dette odieuse. Notre histoire commence dans les années 1920 avec Alexander Sack. Ministre de la Russie du Tsar et spécialiste juridique, il est parti après la révolution d'octobre 1917 pour enseigner dans des universités d'Europe et des USA. En 1927, il a présenté l'idée géniale, la notion de la dette odieuse. Για να ορίσουμε ένα χρέος ως απεχθές, είπε, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Pour définir une dette comme odieuse, il a posé trois conditions. 1. Le régime du pays a contracté les prêts à l'insu et sans l'assentiment des citoyens du pays. 2. Les prêts ont été gaspillés dans des activités contre les intérêts des citoyens. 3. Le prêteur était au courant de la situation et jouait l'indifférent. L'idée de Sack semble progressiste ou même révolutionnaire. En fait, à cette époque, elle servait les intérêts d'une puissance naissante, les USA. Les USA avaient usé du concept de dette odieuse en 1898, quand ils ont gagné leur guerre contre l'Espagne et annexé Cuba. Le problème est qu'avec l'île, ils ont annexé les comptes laissés par le régime colonial espagnol. Et comme l'Empire espagnol avait duré 4 siècles depuis l'époque où Christophe Colomb avait mis le pied en Amérique, jusqu'en 1898, la dette était assez importante. Les USA, bien sûr, ne comptaient pas payer les pots cassés des régimes précédents. Ils ont décidé que la dette de Cuba était odieuse et refusé de la payer. Αποφάσισαν ότι το χρέος της Κούβας είναι απεχθές, οπότε αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Μια παρόμοια ιστορία είχε να διηγηθεί και το Μεξικό μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Pareille histoire s'est passée au Mexique quelques décennies plus tôt. Quand l'armée populaire a renversé l'empereur Maximilien I, elle a décidé que la dette contractée était odieuse. Maximilien avait emprunté énormément à des taux exorbitants pour affronter les insurrections contre lui. Et comme il devait à ses créanciers, mais beaucoup plus à son peuple, ils l'ont collé au mur et exécuté. La plupart des exemples de dette odieuse du 19e siècle et du début du 20e semblent concerner les pays sous-développés du continent américain. Mais en fait, une superpuissance naissante était mêlée dans toutes ces renonciations, les États-Unis d'Amérique. Et c'est la même superpuissance qui a introduit la notion de la dette odieuse au 21e siècle. Décembre 2002. La Maison-Blanche se trouve au stade final des préparations pour l'invasion et l'occupation de l'Irak. Mais, même avant l'attaque, les hauts fonctionnaires américains se préparent pour le jour après la chute de Saddam Hussein. Le département d'État sait qu'il va être amené à gérer l'énorme dette publique de l'Irak et pour l'éviter, il va essayer de démontrer qu'il s'agit d'une dette odieuse. Il crée donc un groupe de travail secret. Ce groupe va proposer que le premier gouvernement provisoire déclare une cessation de paiement, sous prétexte que le peuple irakien ne peut et ne doit pas payer la dette odieuse du régime. Tout est alors prêt pour l'attaque. My fellow citizens. Le peuple grec doit-il vraiment tout l'argent qu'on lui demande ? La dette plus récente de la Grèce, je dirais, c'est une dette frappée d'illégitimité et d'illégalité.
Alors, quels sont les signes de ça? Quand un pays, quand les autorités d'un pays reçoivent des pots de vin de la part de grandes sociétés transnationales, et c'est le cas de Siemens, qui, avec sa filiale Siemens Hellas, a distribué de l'argent, des pots de vin, à des responsables, à des ministres, à des hauts fonctionnaires, depuis plus de 10 ans, pour gagner des contrats. Là, on peut dire qu'il y a clairement une marque d'illégalité et d'illégitimité, et que ces dettes-là doivent être mises en cause, c'est absolument évident pour moi. La justice grecque ne s'est pas montrée à la hauteur dans l'affaire Siemens. Elle a prouvé aussi sa lenteur dans d'autres cas d'entente, dans et sur le dos du peuple, qui augmente la dette. Avec les swaps de 2001, le gouvernement a largement hypothéqué le futur pour faire paraître un meilleur présent postiche. Il a présenté moindre la dette du pays en transformant un prêt de yens en euros sur la base d'anciennes valeurs de change. Aide-cuisinier dans cette affaire, encore Goldman Sachs, qui a ainsi gagné des millions sur cet accord. La Goldman Sachs donc, a conseillé le gouvernement grec et en même temps, d'une main et de l'autre main, il attaquait le gouvernement grec. Le scandale est découvert en 2010. Quelques jours plus tôt, un ex-employé de Goldman Sachs a été nommé chef de l'organisme de gestion de la dette publique grecque. Embaucher quelqu'un qui était chez Goldman Sachs, pour moi, c'est vraiment. Enfin, c'est comme embaucher un criminel pour surveiller votre maison. Quelqu'un qui est un braqueur de banque, vous l'embauchez, il va surveiller votre maison. Voilà, c'est la même chose. Alors on peut se dire, effectivement, il connaît bien les autres braqueurs, il sait comment empêcher qu'on rentre dans votre maison. Mais ça n'a pas, objectivement, on se rend bien compte que c'est pas comme ça. Le risque est quand même plus grand que un jour il profite de votre absence pour tout piquer. Et qu'est-ce qui me garantit que ce personnage passé chez Goldman Sachs va gérer de façon optimale les affaires grecques? De nombreux pays accusent la Grèce de ses transactions avec Goldman Sachs. Mais ce sont souvent les mêmes qui utilisent leurs contacts avec les gouvernements grecs pour vendre au mieux, pour eux, des systèmes de défense. Quand l'Allemagne a négocié son soutien à la Grèce, il y a un an, sa condition de base était qu'il n'y aurait pas d'interruption des importations d'équipements allemands. La Grèce devait faire des économies sur les retraites et la politique sociale, mais pas sur les armes. Ce qui montre bien les champs d'intérêt. Le gouvernement allemand est comme le protecteur des intérêts des grandes sociétés d'armement, ainsi que des industries qui exportent. Et bien sûr, elles veulent continuer leurs exportations, même pendant la crise. On est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des rafales, un rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Thank you.
Devant l'hypocrisie européenne, des reculs criminels accompagnent des décisions criminelles, toujours sous le couvert de l'intérêt national, d'une nouvelle grande idée qui a laissé des montagnes de dettes. On a fait des dépenses somptueuses, tout à fait exagérées, payées par la population grecque, parce que pour rembourser les dettes qu'on a contractées pour réaliser ces Jeux Olympiques, bien évidemment, on utilise une grande partie des impôts payés par les citoyens grecs pour rembourser cette dette. Et il est tout à fait normal que les citoyens grecs demandent qu'on fasse une analyse très claire de pourquoi le budget des Jeux Olympiques a explosé, à quoi les dépenses ont servi. Les JO et les rapports corrompus avec des sociétés comme Siemens ou Goldman Sachs représentent le sommet de l'iceberg d'entente qui se concluait aux dépens de citoyens. Mais il existe d'autres questions beaucoup plus importantes qui ne concernent pas seulement la Grèce, mais aussi d'autres pays de la périphérie européenne. Est-ce que les règles qui s'appliquent pour l'émission d'obligations ont été suivies? Est-ce qu'il existe des problèmes de légalité en ce qui concerne les banques qui ont joué le rôle essentiel, que ce soit au marché primaire ou au marché secondaire, pour l'émission des obligations? Quelles sont ces banques? Comment ont-elles été rémunérées? Sous quelles conditions est-ce qu'elles ont participé à ce processus? Une grande part des dettes nationales dans la zone euro ne sont pas légitimes parce qu'elles sont créées par une politique tenue contre les intérêts du peuple. Pour cette raison, les citoyens ne doivent pas payer ces dettes. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do, la do. Volato, la do, la do, rota, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile.